maîtresse de l'Institut Ravencroft. Quelqu'un peut se rendre sur place? Centrale, entre la coupure de courant et Oscorp, on est complètement débordé. Impossible d'y aller, je répète, impossible d'y aller. Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Assez d'hommes pour la contenir, mais on a réussi à couper le pont, pour l'instant. Et les employés de l'Institut? On a envoyé la brigade spéciale pour les évacuer, et ils ont du mal à s'en sortir. Vous pourriez leur donner un coup de main? Pas de problème. C'est un vrai cauchemar. Comment ça a pu arriver si vite? C'est comme si quelqu'un avait fait exprès de libérer les détenus les plus dangereux. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Et le personnel et les détenus violents sont en danger. Ils étaient à sortir de là. J'ai encore des frissons quand je combats des malfrats. Ah, pardon. Pour ça, dépêchez-vous de vous mettre à l'abri loin d'ici. Oh, fais pas ça! Pourquoi? J'essaierai de moins t'humilier. Je dois évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'événement. Je m'éloigne trop de l'action. J'étais mort de peur. Allez au pont, la police vous fera sortir. Ma secousse sismique rassemble les gens. Sur le feu. J'expliquerai bien comment ça marche. On doit évacuer tous ceux qui ne participent pas à l'émeute. Pas encore. Allez vous mettre à l'abri.
ce sien d'araignée. Je t'ai cassé une dent, mais t'en fais pas. Je l'ai mise sous ton oreiller. C'est franchement mieux que ce que tu portes d'habitude. Ça fait vraiment plus joli, tu vois. J'ai encore des frissons quand je combats des malfrats. À part toi. Tu vas adorer ça. En tout cas, moi, j'adore. Allez! J'appelle ça la secousse sismique! Extinction des feux! Pareil, héros de notre propre histoire! Et bon, on va connaître la vérité! Menken, c'est ça? Vous bossez pour Oscorp. Mais je vais essayer de pas en tenir compte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Cassady. On a essayé de le soigner avec un sérum expl... Arrêtez! Je sais ce que vous fabriquez ici avec Fisk. Vous utilisez ces gens comme des cobayes. Ok, d'accord, d'accord. Mais le danger est réel. Cassady a changé. Il est devenu un monstre incontrôlable. Et il veut en créer d'autres comme lui. Comment je peux arrêter Cassady? J'ignore si c'est possible. Il faudrait neutraliser le symbiote qu'on lui a injecté. L'empêcher de fonctionner. En lui infligeant des dégâts extrêmes. Par le feu, peut-être. Ah, ou des vibrations intenses. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous comptions l'étudier. Qu'est-ce que votre sérum à la noix lui a fait? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais comme pour tout le reste, le but était de soigner les Osborn. Cette fois, nous avons créé des nanites organiques, intelligents, dont la survie dépend totalement de celle de l'hôte. Maintenant, écoutez-moi. Les maladies, les blessures, ils peuvent tout soigner, tout en protégeant la vie de leur hôte. Une relation symbiotique. D'autres ? Cassady est un tueur psychopathe. Depuis quand il aime avoir de la compagnie ? Son père le maltraitait, sa mère est partie. Il était extrêmement jaloux des autres enfants qui avaient des familles heureuses. Donc il essaie de s'en créer une ? Oui, avec les détenus les plus dangereux de Ravencroft. Il veut créer une famille à son image. Je vais vous sortir de là, même si vous le méritez pas. Et ensuite, je m'occuperai de Cassady. D'accord. Il se dirige vers les niveaux souterrains, là où se trouvent les plus dangereux détenus. S'il les transforme en créatures comme lui, on ne les arrêtera pas. Oh. Laissez-moi ici. Ma voiture est dehors. Allez à l'hôpital, racontez tout à la police. Sinon, je m'occuperai de vous après Cassady.